feuilles. J'ai du travail à faire. Je sais, regarde ce que j'ai trouvé. Elle était dans le grenier chez ma grand-mère. Et je me dis, si on part aujourd'hui, même si c'est 30 km, on devrait être rentrés. Tu veux faire 30 km de randonnée, dormir à la belle étoile, pour trouver un trésor? Tu es folle. S'il te plaît. S'il m'arrive quoi que ce soit, c'est de ta faute. Ouais. Il reste combien de temps demain? Alors, on peut passer par le chemin du nord et rebirquer au niveau de la rivière. Si on passe par le chemin du nord et on rebirque par la rivière. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien, t'inquiète pas. Je te dis qu'il n'y a rien. Allez, prends ça, tu vas avoir froid sinon. J'aime vraiment pas ça. Tu vas bien? Hey, écoute, je ne vois pas, je te sens. Arrête-toi, tu m'amènes où exactement? S'il te plaît, on peut continuer à chercher le trésor et on verra quand on est arrivé. Nyx? Non, 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 Nyx, non, s'il te plaît, Nyx, toi, reste avec moi, j'en ai plus, reste avec moi. Thank you.
sentir un peu désorienté au début. Donc le souvenir supprimé peut avoir affecté d'autres parties de ton cerveau, c'est pourquoi je vais te poser quelques questions afin d'évaluer comment l'expérience s'est déroulée. Je vais lancer l'enregistrement. Je suis le docteur Irias, nous sommes le 24 avril 2043, il est 19h56 et je suis en présence du sujet Faye Davidson. Alors comme d'habitude, tu n'es pas obligé de répondre à mes questions par oui ou par non, cligne seulement des yeux, une fois pour oui, deux fois pour non. Alors, peux-tu confirmer d'être ici de ton plein gré? Je répète ma question, peux-tu confirmer d'être ici de ton plein gré? Tu es né le 11 février 2025 à Dijon, c'est bien ça? D'accord. Tu as donc 16 ans? Tu as un frère nommé Elio? Bien. Te souviens-tu d'un individu nommé Nyx? Est-ce que la phrase « ne leur fais pas confiance s'il te plaît » te dit quelque chose? Te souviens-tu qui l'a prononcée?